Dans cette vidéo, les gens, on se retrouve pour la présentation du tapis de marche WC100 vendu par la marque Decathlon. Celui-ci va vous permettre d'atteindre, pour ceux qui le souhaitent, tous vos objectifs de pas quotidiens. Savoir que dans la journée, normalement, il est conseillé de faire plus de 10 000 pas. Donc ce tapis de course, il est vraiment conseillé pour tous ceux qui sont un peu sédentaires, qui n'ont pas tout simplement le temps d'aller faire du sport. Donc, trêve de bavardage, on passe à la vidéo. Voilà les amis, on se retrouve pour le déballage du tapis de marche de chez Decathlon. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit du tapis W500. Donc c'est un tapis qui a été vendu énormément dans l'ancienne Decathlon. Là on se retrouve pour faire le petit déballage. Donc je vais vous présenter vite fait tout ce qu'on peut retrouver sur le tapis avec la boîte tout simplement. Donc là on peut voir qu'en termes de poids, le poids il est assez important. Il fait 42 kg inscrit sur la boîte. En réalité, sur le site, il est marqué qu'il fait 35 kg. Et l'avantage de ce tapis, c'est qu'il est pliant. Donc, normalement, tout est déjà monté. J'ai juste à la sortir de la boîte et ensuite, voilà, c'est parti. On peut déjà l'utiliser. On va passer au déballage. Donc... Ah, punaise, ça fait un beau bébé. Hein. Donc, dans la logique, j'ouvre la boîte et c'est tout bon. J'ai rien à faire. C'est plutôt intéressant de voir comment c'est structuré à ce niveau. Ben, le tapis, il est déjà présent. On a tous les éléments. On se retrouve avec le câble d'alimentation. Et le petit livret, le petit manuel qui est toujours pratique. Donc comme je vous avais dit en début de vidéo, c'est assez rapide à déballer. C'est bien protégé, ça fait plaisir. Il y a son poids, donc du coup, je vais enlever tout ça rapidement et on se retrouve lorsqu'on sera dessus. Donc là les amis, on se retrouve avec l'appareil qui est sorti. Donc ça a été rapide comme je l'ai dit. Il est déjà monté, on n'a rien à faire mis à part l'installer, le brancher. Là on se retrouve avec un petit écran LCD. Ça va nous servir de guide. On va pouvoir connaître la vitesse à laquelle on marche. À savoir que ce tapis il va de 0,5 km/h jusqu'à 8 km/h. Ce qui est quand même important, 8 km/h c'est une marche rapide. À savoir que là on a une petite clé de sécurité qui va servir en fait de sécurité lorsqu'on a un problème sous le tapis, on veut sortir du tapis assez rapidement. Cette petite clé-ci qu'on va juste mettre ici et qui va aussi servir à démarrer l'appareil. J'ai mis là l'appareil monté, il est branché. J'ai mis la clé qui permet en fait de démarrer l'appareil. Si vous branchez pas la clé, vous aurez un petit symbole qui vous demandera de mettre la clé. Là, donc là c'est mis. On va monter sous l'appareil. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma taille sur l'appareil et tout. Pour le moment, moi, je trouve que c'est plutôt bien. On est à l'aise. Je tiens à préciser qu'il s'agit de tapis de course sans inclinaison. Donc c'est quelque chose de très important à retenir parce que oui, on peut pas mettre d'inclinaison sur ce tapis, malheureusement. Donc pour démarrer l'appareil, c'est très simple, on va faire tout simplement start, compte à rebours et c'est parti. Et là je commence à monter un tout petit peu. À savoir que ce tapis il est réglable, c'est à dire que en fonction de votre poids, je pense qu'il faut faire un réglage au niveau du tapis même. J'ai vu qu'il y avait une petite clé mâle qui permet en fait de régler tout simplement la tension du tapis. Donc pour ma part là, je suis pas sûr que je dois le faire, mais dans l'avenir, si plusieurs personnes utilisent ce tapis, je pense qu'il faudrait le faire. Là vous pouvez entendre le bruit que ça fait si j'augmente un peu plus. Là par exemple, je suis à 3 km/h. J'ai pu noter qu'au niveau du bruit, le bruit il est vraiment pas désagréable, il est vraiment raisonnable. Et là je suis à 5 km/h et 5 km/h c'est déjà très très bien et je suis vraiment surpris de voir l'efficacité du truc. Non franchement les gens, premier test de tapis pour la maison et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. Là je suis bien. Donc comme je le disais, ça va de 0,5 km/h à 8 et pour le moment je suis très bien. Le fait d'avoir ça c'est superbe. J'ai vu aussi qu'il y avait un emplacement juste ici, emplacement qui est certainement dédié à tout ce qui est téléphone, et on a le petit téléphone ici qui permet en fait tout simplement quand on fait du tapis, on a envie de se distraire, de mettre un petit Netflix ou juste écouter sa musique là dessus, ça peut le faire aussi. Donc sur l'écran on a plusieurs informations. Alors les informations qu'on pourra visualiser sur le panel sont tout simplement le temps, la distance, le nombre de calories dépensées, le nombre de pas effectués et pour finir la vitesse à laquelle on va sous le tapis tout simplement. Alors oui, en effet, ce tapis est vraiment bon de par toutes les fonctionnalités qu'il possède. D'ailleurs, j'ai pu noter qu'au niveau du bruit, le bruit il est vraiment pas désagréable. De plus, si vous possédez déjà un tapis de fitness qui permet en fait de déjà faire du fitness mais aussi réduire les
les bruits des équipements. Donc là, vous aurez vraiment rien à dire au niveau du son. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. De plus, son design, comme l'indique son nom, donc tapis de marche compact, vous permet tout simplement de ranger l'appareil, que ce soit au niveau du lit ou tout simplement en position debout à l'aide des roulettes. Parce que oui, vous avez la possibilité de le laisser debout à l'aide d'un système d'équerre qui permet de stabiliser l'appareil debout tout simplement. Si vous recherchez un tapis qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs quotidiens, que ce soit en termes de pas, en termes de dépenses caloriques, en termes de distance, ce tapis, il est fait pour vous. Je vous le confirme. J'ai pu noter que son efficacité était réelle. Son confort d'utilisation vous permettra d'éviter tous les traumatismes au niveau des chevilles par rapport au fait que celui-ci possède un système d'amortissement, j'ai envie de dire. De plus, toutes les informations qu'elle vous fournira vous permettra de garder le cap sur vos objectifs. Alors, vous pourrez retrouver ce tapis sur le site de Decathlon, comme je l'ai dit, donc à un prix assez important. Donc, il est affiché à 399€. 399€ pour un appareil qui est compact, qui a une durée garantie de vie de plus de 10 ans, qui, en termes de technologie, possède une technologie qui est facile à dépanner soi-même. Il indique eux-mêmes sur le site. Donc là, je peux dire que c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai tout dit sur l'appareil. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez.